Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que quand on pose la question « Mais comment réagit ta femme ? Que fait ta femme ? Quel est l'âge de ta femme ? Quelle est la pointure de ta femme ? Quelle est la couleur de cheveux de ta femme ? Tu veux l'avoir toute nue ou quoi ? Ça va plus vite, le reality show, c'est à ce point-là ? Non, non, c'est pas ce que je veux dire ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, ce que je veux dire, c'est souvent les dames qui me posent ces questions. Hein. Les gars, un peu moins. Qui est ma femme ? Que fait ma femme ? Comment s'organise ma femme ? Comment voit ma femme ? Ah, ça c'est important. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ça, c'est pour ça que je vous en parle. Ma femme, comme disait Colombo. Eh bien, des gens me disent « Remercie ta femme de nous prêter Franck Nicolas ». Je trouve ça très joli déjà, c'est très respectueux. Et oui, elle le prend, ce remerciement. Mais ce n'est pas un effort qu'elle fait. C'est-à-dire que mes enfants, « Ah, mais t'es pas un papa présent ?» Si, je parle sans arrêt. Si tu savais comme j'éduque mes enfants, demande à mes enfants quand tu les verras dans mes événements, ils sont depuis l'âge de 2 mois, ils sont partout. Et ils ont l'habitude maintenant, des gens, ils sont comme des poissons dans l'eau, ils prennent l'avion seuls, ils ont 13 ans et demi et 15 ans. Mais j'éduque mes enfants tous les jours. On a des discussions tous les jours et je ne laisse rien passer sur les valeurs importantes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une chimère de penser que vous ne pouvez pas avoir une famille, une vie de famille équilibrée et avoir, moi j'ai 4 business, et même un autre qui se crée en ce moment, je voyage partout, c'est possible. Alors les gens disent, mais comment tu fais ? Vous devez comprendre que ma femme ne supporte pas Franck Nicolas ou la vie de Franck Nicolas. Mes enfants ne supportent pas la tournée 110. Oh là là, il faut y aller. Vous n'avez pas compris. C'est pas ça une vie de famille. C'est qu'on est tous sur le même projet familial. On prend tous ensemble des décisions. Et on sait tous pourquoi maman à ce moment-là n'est pas là. Parce que ma femme travaille en partie avec nous. Et pourquoi est-ce que papa, il n'est pas là ? Pourquoi maman n'est pas là ? Pourquoi papa n'est pas là ? Pourquoi les enfants ne sont pas là ? On est tous au courant, on est sur la même page. C'est une seule famille. Il n'y a pas l'un et l'autre. Et c'est ça le problème que vous avez quand vous forgez votre vie de famille ou quand vous l'amorcez. C'est que vous vivez tous dans une famille dans laquelle souvent il y a un fort individualisme. Voilà comment madame qui rentre le soir après le travail, monsieur peut faire la gueule parce qu'elle n'a pas préparé à manger. Ben, tu ne pouvais pas le faire. Et tu étais où? Et tu faisais quoi? C'est de l'individualisme. C'est pas une famille, ça. Ou vice-versa. Monsieur qui rentre plus tard et madame, tu étais où? Et c'est pas normal. Et gna. C'est de l'individualisme. C'est pas une vie de famille. Et c'est ça l'effet 110. L'effet 110 concernant la famille implique le fait que ce soit un projet familial, notre vie. Ma vie, c'est celle de ma femme. Celle de ma femme, c'est la mienne. Mes échecs, ce sont ses échecs. Ses échecs, ce sont les miens. Mes victoires, les siens, et vice-versa. Et les victoires et les échecs de mes enfants aussi. J'ai voulu faire une acquisition d'entreprise pour faire de la croissance externe il y a quelques temps. Peu importe, on n'est pas dans une émission business. Ça n'a pas marché. Due diligence, 6 mois de due diligence, plus de 600 000 dollars de dépensés en avocat, etc. Et ça n'a pas marché. Je l'avais ici. Tu crois que je rentre du travail? Non, je n'étais pas en super forme. Alors j'ai appris à gérer mes émotions, ça allait très bien. Mais mes enfants n'étaient pas heureux. Pas triste parce qu'ils ne comprenaient pas, mais papa, on est vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a discuté en famille. C'est un projet familial.